entre parenthèses, je vous dis que je n'étais pas, pendant des années que j'ai combattu, je ne combattais pas la personne de Mobutu. Je combattais son système répressif qui privait le peuple de liberté fondamentale. Et rien sur le plan humain ne m'empêchait d'aller voir un homme malade et avec lequel, comme je viens de dire, institutionnellement, je devais collaborer. C'est ce que j'ai fait. Quel sens ? Merci beaucoup, M. Tshisekedi. Ça va très bien. Merci beaucoup du temps que vous avez accepté de nous accorder. Ça va très bien, pourvu que vous fassiez votre devoir de diffuser ce que vous avez à diffuser. Je vous remercie beaucoup. Bande de Balandi, dans l'émission d'Abisso à Lelo, dans la première partie de la Kisabino, livre Oye Komami na équipe ya les amis de Wechi Oye biso to bengaka vidéo livre pona nini to komaki livre wana papa Cyprien Wechi akozala lelo na plateau pona ko expliquer biso pona nini vidéo livre wana. Na deuxième partie na biso ya émission ya lelo to ko proposer bino élément mususu oezali historique bandeko balandi après masolo oyo ya procès ya papa Wemba lelo to proposer pour na bino reportage obiso ba les amis de Wetito Salaki ya Koffi Olomide na Zenith de Paris bandeko balandi musique na biso ko suka kaka wana te lokola masolo oyo papa Cyprien Wetchi ya ko expliquer biso lelo masolo oyo mboka na biso na Est de la République démocratique du Congo ezo tutana chaque année na Rwanda lelo ça fait au moins 30 ans et loko moko ezo bouger te na yango to ko proposer po na bino clip ya Koffi Olomide ndenge nini tozali kaka corrompre à ta évolution moko ezate na masolo etali Congo na Rwanda. Vidéo livre oya les amis de Wetchi yangonde et kolongola Congo na Rwanda na rond-point oyo et si oumeli avancement moko ezate. Balandi to yambi pona bino papa Cyprien Wetchi mbote mbote Buffalo Bill le shérif de Pakajuma na balandi nyonso ya les amis de Wetchi na CMB DJ la télévision de l'année 2023. Voilà papa Cyprien Wetchi to yambi yo awa na plateau na biso ya les amis de Wetchi to komi vidéo livre. Oui, tu as commis vidéo livre, ça fait plus de 30 ans. Tu as commis un livre en vidéo parce que tu as remarqué que au Congo, tu as une culture et la lecture. Tu as une culture et la bilili. Il y a un reportage qui est un livre pour te présenter le peuple Nabiso. Pour à comprendre makambo oyo ezoleka na mokili mobimba. Voilà papa Cyprien Wetchi li vidéo livre angoza na ba partie boni pe na kati les en a 6 chapitres. Voilà 6 chapitres en vidéo pour expliquer la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et puis ba proposition yango lelo toye ko présenter vidéo livre pour te trouver solution na guerre oyo ezana est de la République démocratique du Congo ce qui to sali bongo te nous risquons de perdre notre pays comme un petit jeu. Voilà bandeko balandi vidéo livre ezali livre oyo to komi en image c'est-à-dire tozo la ki sala ba congolais ba réalité na ba cause nyon surtout ya guerre au ezali na est ya République démocratique du Congo. Oui, Buffalo Bill le chef de Pakajuma. Donc na vidéo livre esa idéologie à Saint Thomas. Saint Thomas ne croit à ce qu'il voit. Sauf qui te lobi fati na période boy aloba ki boy yemoko alobi. Comme ça, ba congolais, ba moko, ba komona réalité. Tozongi suko na masolo na biso ya vidéo livre, papa Cyprien Wetchi. Na premier chapitre ya vidéo livre, elingi koloba, masolo ni nezana kati. Tobanda na introduction.
makambo nyoso oyo bazoloba na Congo ba analyste ba télévision biso to sala yango déjà na ba 1900 toko banda na directeur ya chaîne belge jour ya ba élection tokendaki kotala. On a élection na biso be ya Belgique tozalaki na parce na période mon bout peut toi la peuple élection moko boyo ya carte rouge na carte jaune ko sa na tête tozala yango carte ya rouge na ya vert carte ya rouge na carte ya vert oui c'est à dire soko simbi carte ya rouge olingi guerre bakangi ombala moko bakangi ombala moko donc yo lingaka mon bout tout lingaka mon bout tout voilà ndé ba politisye nyoso bazalaki na RTBF RTBF eza RTNC national na bango biso tokendaki kosala interview ya directeur ya RTNC na bango tutunaki ye pona nini guerre eza na Congo bozolakisa makambo na biso te bola voilà tolanda. Mais de manière générale, est-ce que vous pensez que cet événement, qui pourtant est un événement important, est assez couvert par les antennes de la RTBF ? Je pense que rien de ce qui concerne l'Afrique ne nous est étranger, a fortiori tout ce qui concerne la politique du Congo. Mais vous devez savoir que nous nous battons sur plusieurs fronts en même temps, que pour l'instant, il faut bien le reconnaître, ce qui est important, c'est la guerre qui est à moins de 1000 km de chez nous, c'est le problème du Kosovo, et que dans une politique de moyens à gérer, il est évident que nos équipes sont essentiellement maintenant mobilisées sur le Kosovo, parce que c'est cette affaire du Kosovo qui mobilise évidemment l'opinion internationale et l'opinion belge, en tout cas. Et mais justement, vous pensez qu'il y a, disons, une plus grande importance qui est portée justement au conflit qui vient de se dérouler, qui est en train de s'achever au Kosovo, et qu'on ne parle plus justement de cette guerre qui se déroule au Congo. Mais il y a encore des morts. Vous pensez que les morts du Kosovo et les morts du Congo ne se valent pas ? Non, je ne fais pas ce type de choix. Mais vous savez qu'il y a des guerres qui finissent par être des guerres que médiatiquement on oublie, des conflits enterrés. Il y a eu beaucoup de conflits en Afrique que les médias ont oubliés. Mais c'est vrai que ce conflit européen qui est à nos portes a tout de suite porté l'attention de l'opinion, vous avez pu le mesurer, mais vous savez combien nous avons été attentifs à tout ce qui s'est passé au Congo mais depuis 1960. Je pense que l'RTBF est très intéressé par toute cette politique, par le développement de cette politique. Elle souhaite une chose, c'est que votre pays retrouve la paix, la sérénité et son essor. Monsieur Dorit, vous venez de dire que justement l'opinion s'est désintéressée de la guerre au Congo. Mais vous ne pensez pas que vous, en tant que responsable d'un média, c'est votre rôle en quelque sorte que d'intéresser cette opinion à cette guerre et à n'importe quelle guerre, à n'importe quel conflit et drame qui se déroule sur la Terre. Tout à fait, mais nous le faisons. Mais moi, je n'ai pas, encore une fois, pris au dépourvu, je n'ai pas sous les yeux des chiffres et des minutages et des partages, mais je n'ai pas vraiment pas le sentiment que nous perdons de vue la réalité congolaise d'aujourd'hui. Vraiment pas. Voilà, Mandeko Baladi Bobutu Olanda, Papa Cyprien Wechi. Oui, Bifalo Bin. Voilà, Ngai Pena. C'est Bifalo Pakajuma. Oui, Bito Bata Pakajuma. Ngai Pena Wotu Olanda, Ba Image Oyo. Nayoki, Tuzolo Balikambuya. Pona Nini Batu Nabiso, Ba Moro Nabiso Bazo Kipe Angote. Est-ce que Bango Batira Attention Neti Lelo Bazo Attira Attention Lelo Bazo Kipe Ba Moro Ya Kosovo. Ya Kosovo. Neti Lelo Bazo Kipe Makambo Ya Ukraine, Souci Na Bangoza Na Ukraine, Mais Makambo Congo, Rien. Silence Radio. Ma question, tu vas comment vous posez un mot Lelo? On vous dit que vous un mot il y a plus de 20 ans. Mais quand vous dites sala, il faut bazonga, battre la vidéo livre pour dire que les amis de Wetchi, il y a solo. Tout ça, c'est sala. Après introduction, maintenant, toqué na chapitre à Liboso, na vidéo livre et à Lelo. Les vidéos livres tozan a 6 chapitres en images. Chapitre ya liboso eza origine ya conflit. Voilà. Ba FDLR ba kotaki na Congo ndenge nini. Vraiment papa Cyprien Wetchi. Ba FDLR yango parce que toyo ki li solo ba Rwanda kuna ba solo ba likambo ba FDLR biso tozo soutenir ba FDLR. Maintenant ba FDLR yango ba kotaki ndenge nini. Benga papa Léo Kegoando, non? Oui, tout le monde est papa, c'est pour y avoir parce que vidéo, livre, bien sûr, tu recommandes, c'est ça la différence, n'a banaliste et à Mikoloyo. Voilà. Bah,
Boye na télévision, Bobandi Koloba, 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 Boza na image de. Vema Kamusu Bazoloba, Eza ya Lokuta, Neti Vema Kamusu ba fabrika, Oto Utoko la Ksabe Mishu ya Lokuta Awa. C'est-à-dire, au lobby Likambu, donc etikala kui existe te quoi. Donc, au lobby Kapa, c'est que vous avez un plateau à TV, vous avez une opposition, vous avez un pouvoir, au lobby Kapo, c'est pas dingue. Bendele kwe ya te. Voilà, bendele kwe ya te. Vous avez une idéologie à Wenge. Voilà. Interview Oyo, Ezalaka, les amis de Wedge. Ezalaka, il y a tout mon sous-souti. Voilà. Il faut qu'on ait mis ça en haut. Oui, parce que on a une exclusivité dans Bissot. Mm-hmm. On a un bateau, tout le monde, même le poster, on a un internet. Il y a très bien que l'interview, l'image Oyo, Ezali, Moussala, Oyo, les amis de Wedge. Mais comment les amis de Wedge, il faut qu'on ait été intellectuel et zonga. Ceux qui ont eu l'image des amis de Wedge ont commis source les amis de Wedge. Tout le monde sous-souti, il y a une interview Oyo. Papa Kengo, Eza ya bisoté. Eza na carte ya vidéo livre chapitre 1. Origine du conflit. Voilà, Tolanda. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter les territoires de mon pays, au plus tard, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rouchoureau de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président. Il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par deux résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnette sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général par deux fois à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995.
Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour que il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparé puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OIE. J'ai montré les sites à la commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La commission a visité les sites. Lukandu, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Voilà, Bandeko Balandi, Toutu Golanda, Papa Kengo, Papa Cyprien Wechi, président de la République Fatshi Beton, à Otozala na Genève, Liboso ya Bakonzi ya ONI, Bakonzi ya Droit de l'Homme. Oui, président Aouti Lissousou a dénoncé que Kagame a nourrir ba M23. Donc à lobby en Lissousou, c'est-à-dire na ba voyage nous surtout azo lobaka ka la même chose. Mais Kagame peut azo lobaka biso ba tozo nourrir ba FDLR. Pour l'andana nous Fatia. Oui. Parce que nous sommes tous les gens qui après, voilà, puis peut-être que nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars. Le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper tout équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. Papa Cyprien Wechi, boîte noire. Oui. Na vidéo livre, on me met les biso nini les sous. Na vidéo livre, tu expliquais na chapitre 1, origine du conflit. Tu as na origine du conflit apparente. C'est-à-dire Yalokuta. Neti Oyaba FDLR, et ça Yalokuta. Mais derrière bah, FDLR, Rwanda aza na agenda caché nae. Donc makambo oyo eza na se eza mabele na niveau munene au Congo eza nango déjà
Il faut pas que ce soit un homme qui a Rwanda. Donc, il y a une discussion exacte. En 96, voilà. Donc, il y a un homme ambassadeur à Rwanda. Parce que la carte est en train de circuler. Toyoka, Toyoka, papa. Ce qui carte, il y a un homme qui a solo. Toyoka. Yalokuta. Voilà. Bande Kobalandi, Tolanda. Je vais vous dire une chose. En 1996, on accusait le Rwanda de vouloir annexer une partie du Congo. Je crois que vous avez vu une carte qui a circulé. Moi, j'ai dû même expliquer cette carte. L'objectif qu'on avait, ce n'était pas d'annexer le Congo. L'objectif aussi qu'on avait quand on montrait cette carte, c'était de montrer, de justifier la présence d'une communauté rwandophone à l'intérieur du Congo, comme on le trouve en Ouganda, comme on le trouve en Tanzanie. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute du Congo, c'est les frontières qui ont été tracées de cette manière-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que notre président réclamait le Berlin II. Bon, Tikolanda, tu sais qui est interview, il y a un député rwandais, il y a un parti socialiste. A participé qui n'a complot. Tolanda hier. Oui, Tolanda. On a une chose qui est comme ça, c'est un peu vidéo livre. Voilà. Tolanda, papa. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard à la presse de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Maintenant, ce qui n'a pas l'image, il y a posé la question. Au moins, il y a une image. Discussion, on peut... Okay, bah, image, on peut dire discussion exacte. Exacte. Parce que pour l'angle, on peut commenter exacte parce que c'est clair, net. Même moi, il y a eu une école primaire. Pour ça, ma cessé à j'hésite. Parce que nous avons une période à la Jésus, nous avons ma cessé. Mais avant, nous avons ma cessé. C'est-à-dire, c'est clair que non, problème, nous avons besoin. Et ça, ma belle. Dans des idéologies, il y a vidéo, livre, congolais, attendre, capter. Mais il y a une idéologie, une image. Mais il y a un monde. Il y a un discuté exacté. Mais il y a un monde maintenant, la réalité, l'agenda caché à Rwanda. Et ça, bah, FDLR, dans la période où il y a bah, FDLR, peut-être Bazala qui était, il y a un côté qui déjà, dans la réunion, dans la réunion. Après. Dans la période où il y a le président Kagame. Bizimungu. Voilà. Kagame a été en 2000. Avant, était le président Bizimungu. Après, Bamindele. Donc, Obanya. Kagame a aussi la continuité de la République. La continuité des affaires. Oui. Après, Rwanda, à ça y est mon côté. Bah, multinational, bah, ça, derrière Rwanda. Bake Kotala. Sima Kivu, les sociétés civiles, il y a Sud Kivu. Il y a des lobbies, ceux qui ont annexé Kivu, na Rwanda, pour aider Bino. Tolanda. Je suis là. Tolanda, papa, c'est plus haut. Oya Koloba, il y a des présidents, Emmanuel. Marche à sa professeur et à communication dans l'université catholique de Louvain. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit
que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où ? Là où il a déjà évacué plus d'un million de personnes, un million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashis, aux Hutus, aux Banandés, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP, on peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Après, en 2013, bah député rwandais, bah ABC, bah député Nabisso, congolais, na parlement panafricain. Image on a linga yango trop parce que to la kisi yango pe moi trop pour ba congolais ba comprendre penza vraiment ma solongo ndenge ni nezale. Il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, Est-ce qu'on peut continuer la vidéo livre ou bien vidéo livre Ezakaka Nele Zakaba Masolo ou ya quartier d'après vous? Tiens, mais papa Cyprien, oui, tu vidéo livre ça histoire. Et ça, histoire, il y a Mbo Kanabiso. Ndenge nini, Munguna Alingi a détruire Mbo Kanabiso. Avenir, il y a Bana. Maintenant, vidéo livre, ça qui toque parce que. Moni, de façon, émission Nabiso, Ndenge Zola, Namamikolo, Nasembeji, Batou, Nasite. Parce que, Moni, il y a Neo et les Kaki, les amis de Wetch. Mais les lopes, Ndenge Komi, pourquoi les cas des avenues sans que Babel là, les amis de Wetch. Moni? Parce que bah tu vas commencer à comprendre ma solo bisous toujours bêta ma solo y a pas quand bah t'es toujours bêta de ma solo pendant ça il a intérêt y a moi peut-être tout bon tu continues dans le cadre de la vidéo livre parce que on a proposé au père sur bah question monsieur pourquoi parce que na question pourquoi mais bah ma solo y a boué pourquoi est président de la République a zoqué de quoi dénoncer Makambo oyo na libanda ya mboka parce que yoza mutu pe otamboli mingi pourquoi yoza toujours écarté na ba masolo par contre il fallait to continuer ko zwa ba élément pour que to ko to nourrir les sous vidéo livre na biso na ba masolo mosusu yango to lobaki avant arriver à pape n'est pas égal après départ à pape avant arriver à pape c'était la guerre des personnes yango to zo senga batunyo so o bazar Pembeni, ya président de la République démocratique du Congo, Balanda, Matea, Yade, 52, Papa Etienne, Tshisekedi, Wamulumba. On ne fait pas la guerre de personne. Après départ à Pape, nous avons besoin de tout le monde. Et puis, la situation, toi, on a besoin de tout le monde. Il y a tout le monde. Donc, toi, contribuer. Il y a un objectif, il y a une émission Nabiso. Donc, Tolongola, Makanisio et Akana. Nous risquons de perdre notre pays. Toujours continuer. Bah FDLR ne Rwanda lobby. A lobby. Motif na bango ya kosala na Congo bah FDLR. Mais ancien premier ministre. Ya Rwanda. Ya Rwanda. Twagira Mungu. Tout la qui est question. Est-ce que argument au yaba FDLR. Ezo simba ou bien ezo simba te. Eza argument moko yo bazo pesa yango na koloba mingi te to landa ye.
Tolanda papa Cyprien Wech. Tolanda na zaona na kumolanda pena des vidéos. Tolanda. Faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement. Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, je précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'inverser, le pouvoir, et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les croire vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Non, il y a autre chose. Vraiment, papa Cyprien, oui, tu as analysé Maloba Oyo. Premier ministre Ouazan a raison. C'est-à-dire, bah FDLR, bah ça l'a Goma, na est ya Congo. Mais na 98 R Bisoto, R ah papa Wendo Kalosoi. Alors, il y a des gens qui ont été en Congo, qui ont courant, qui ont été. Est-ce que FDL, Banyamulenge, est-ce qu'ils attribuent ou bien ils attribuent d'après eux, Banyamulenge. Bon, Tolanda, papa, Tolanda, parce que si tu peux se commenter, il y a un bifalo, il y a un bifalo, il y a un vidéo livre à papa. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème qu'on nous ressort, un problème de nationalité qui va avec le terme Banyamulenge? Qu'est-ce que tout ça vous inspire lorsque vous entendez parler, par exemple, de Banyamulenge? Non, ça c'est une invention pure et simple. J'ai vu des analyses, j'ai vu même des Congolais qui ont appris qu'il existait une ethnie Banyamulenge et qui l'ont appris peut-être ici ou dans la presse. Hein. C'est quoi ça Banyamulenge? Puisque moi j'ai été à Mulenge quand j'étais jeune. Et on ne va pas prendre des gens d'un village et les transformer en ethnie, n'est-ce pas? Donc, problème de nationalité, ce problème peut exister. Un problème de nationalité peut exister, je n'en nie pas. Mais aller dire que tous les Tutsis qui sont dans le nord Kivu et sud Kivu prennent l'identité de Banyamulenge, franchement, comme je vois ça dans la presse américaine et même belge et française, c'est extraordinaire. On va prendre une petite portion, vous dis-je, tout près de Bujumbura, là, en face, et vous dites, bon, voilà, Banyamulenge, c'est quoi cette histoire de Banyamulenge? Il s'agissait des contrées où il y avait des pâturages très riches. Je sais que les Rwandais eux-mêmes venaient de chez moi et conduisaient leur bétail à Mulenge. Et pendant une période de coutumance de, qui dirait, presque 3 mois. Donc, le problème de nationalité, s'il existe, il a été amplifié par les Kagame qui ont utilisé une partie des Congolais rwandophones. Et ces Rwandais-là, qui voulaient aussi avoir accès au pouvoir, ils ont dit, mais quelle cause allons-nous créer? Quel va être le casus belli? Nous allons dire que bon, on ne veut pas de nous. Et puis on cause des contradictions dans la région du Massissi et puis dans la région du Sud Kivu. C'est ce qui s'est passé. Parce que ces gens, chaque fois qu'ils se battent, il faut créer une cause qu'ils exposent de façon floue sur la scène internationale, basée sur l'extermination des ethnies, et on l'accepte. Ou contre vidéo livre. Problème que vous avez là pour ou contre été, mais problème que vous avez là, bako kamwa. Moni bako congolais et belé bako kamwa. Bako kamwa, est-ce que ma kamboyo? Comment est-ce que. Parce que dans le pays, moussousou, nous avons l'anda documentaire à Corée du Sud. Corée du Sud, oui. Où il y a dictateur à Zakunanani. Corée du Nord. Mais ce so qui. Olandi ba documentaire et le Bamarakuna, c'est-à-dire même Nambo Kabana Bayebi ennemi à pays na bango. Moni. Mais biso awa des fois,
Kagame azan de konabiso des fois et tozaboye des fois or que Kagame aza fourmi azo lia biso de na kati libaya donc libaya ezaka ka ya ko telema mais na kati nyonso to kuna nyama si ali ango déjà donc tikale ka mukolo muto beta ngo boisa nini de bukani moni maintenant là il faut to comprendre que non Kagame azali penza fourmi aza moto to kosa donc to tiela ye ki sio bachaka na nzete pour que ako kolia ntete. Même au chapitre vidéo livre, voilà vidéo livre et ça qui voilà vidéo livre et ça le rôle à qui si donc au yopena que moutouillon surtout il faut avoir un mot n'a n'est singeli c'est ça papa on a le rôle à conclusion en aïe papa mena souka émission à miso na zana et sengo voilà ton commune on a souka t'es parce que photo bête taper ma solo et musique. Bonsoir à tous, chanteur congolais. Un des artistes qui réussit l'exploit de faire salle comble à Bercy sans publicité, un homme qui se consacre avec talent à la diffusion de la culture congolaise, Koffi Olomide, sans phare et sans pudeur, nous parle de lui-même. Je suis heureux d'être pour la première fois sur Télé Bruxelles. Je suis Koffi Olomide et j'ai commencé à chanter étant sur le banc de l'école, dans mon quartier d'enfance qui s'appelle Lemba, à Kinshasa. Et tout en allant à l'école, vers les dernières années de l'école primaire, de l'école secondaire, je commençais à gratter à la guitare. Alors c'était dans mon quartier et puis à l'université à Bordeaux, c'est devenu plus qu'un hobby. Je ne pouvais plus me séparer de ma guitare et je faisais des chansons qui plaisaient à tous mes camarades sur le campus universitaire à Bordeaux. Et à la fin de mes études, quand j'ai soutenu mon mémoire, tous mes copains qui me connaissaient comme quelqu'un qui écrivait des chansons pas mal m'ont instamment conseillé d'essayer d'enregistrer professionnellement, ce que j'ai fait en 83. Mon premier album, c'était en 83, ça s'appelle Ngunda. Je l'ai enregistré à Bruxelles, en Belgique, chez vous. Et tout est parti de là. J'ai passé un concours pour postuler un emploi en tant que techno-commercial, les études que j'avais faites. Et jusqu'aujourd'hui, j'attends encore le résultat pour pouvoir être dans un bureau. Des millions d'albums vendus, une ascension fulgurante. Quel est ton secret pour rester au top? Je dirais que le secret, c'est le travail et l'amour du travail. J'ai les dans le sang, j'ai la musique, je pense pouvoir dire dans le sang. Et puis voilà quoi. Pour le très attendu prochain album dans les bacs, tu as choisi pour titre « Monde arabe ». Koffi serait-il soudain frappé d'inspiration orientale? Oh, il n'y a pas de but, en tout cas pas politique. Hein, parce que beaucoup de gens, quand ils entendent le mot arabe, on le sent qui tourne. Moi, je me demande bien pourquoi. Monde arabe, parce que justement, ça attire l'attention de tout le monde tout de suite. Et c'est tout. Autant qu'à donner un titre à un album, autant donner un titre qui accroche l'esprit, qui fait que les gens fassent le détour. Donc moi j'ai choisi depuis à peu près 2 ans ce titre-là pour mon album. Il met absolument rien de politique, de mesquin derrière. Et d'ailleurs ce titre-là était venu pour m'inspirer à Monde Arabe. Pourquoi pas regarder un peu dans cette direction-là, ou sur le plan des vibrations, de la façon de voir la musique, des arrangements, etc. etc. Bon, les gens vont juger, c'est pas un album arabe, absolument pas. Moi je n'en suis pas un, mais c'est l'intitulé de mon album. De la même façon qu'on choisit un prénom pour son enfant quand il vient au monde. L'amoureux de la rime, le prototype même du chanteur de charme et des ballades romantiques, est de retour sur la scène belge après une longue absence. Alors Koffi, ravi de retrouver ton public? Le concert du 3 juillet, du samedi 3 juillet à la salle Concert Noble sera mémorable. On va donner du plaisir et du bonheur à tout le monde.
posé la question à ce que j'appelle ces images. Image au monde d'Eni. Oui, à cause d'actualité. Oui, image à cause de l'humidité. Bon, oui, que Babiloko, les amis de Wetch Basali, et Koufarate, c'est pour cela, puisque nous avons toujours la boîte noire. Parce que ce que vous avez le Koufi, parce que ça n'a pas été belé, au moins la Biloko va tourner, qui même en 2010, ça va être assusté. Ils ont assusté, voilà, mais Bisso, tout garder, on pense que ils allaient toujours, ils ont un temps, dans un moment, surtout, et Sengeli. Nango, pour aller là, n'a pas souki sa émission. La rompue. Émission Lélo parce que vidéo livre parce que dans nous autres total Lélo la vidéo livre comme si depuis ça fait 30 ans Lélo tout ça qu'on a rompu tout ça qu'on a rompu tout ça rompu et caca tout ça qu'on rompu et tout ça on le voit la coiffure l'homme à yeba qui peine à quoi aimer dire moi là que non tout ça qu'on rompu et n'allie solo oyo il y a conflit entre Rwanda na République démocratique du Congo tous ali kaka corrompu et en gros tous au sein de la bande de biso tout type de comportement sous ce y a Rwanda batou donc pour un intérêt à Moka pour un système ou façon à bichon à gérer Moka, donc tout le monde a la nakati. Il y a ma solo, il y a un mot papa Cyprien Wetchi à contribuer. Les amis de Wetchi ont contribué à l'objet de Zanango. Tous ont fait que tous ont toujours écarté tes taux à la peine à Katia ma solo. Peut-être lobby au Bessi Malobi. Ban en abisso, la vidéo livre, tout ça, la vidéo livre aussi la thé, puis boîte noire et coucou faté, chaque jour, tout ça, la gamme boîte noire, ban en abisso. L'émission européenne, et ça, la une semaine, tout ce qui est pendant une semaine, même 15 jours, batouba landa, balanda, avant de proposer l'émission Moussousou, parce que vidéo livre, Non, papa, si vous voulez dire vidéo livre, ne et que ça la que tout le monde n'a rond-point. Voilà, parce que ce qui m'a tout que je tourne, que je tourne, tout ça avancé, des carburants aussi la cacawana, ville breakée, je bais bakawana, ma camoufle, je bais bakawana, conflit à Congo, na Rwanda. Première destination, Belgique. Voilà. Il faut Belgique à Zonga. So, Bakondina Bissou, Fatibé. Hollande vit sauter. Hey, au Costa la tour du monde. Pays mon côté. Où ils ont la carte à communauté internationale et quoi appuyer l'autre. Bande Hollande, tu commis la souka. Tu tiens pour n'abîmer clip où il y a pour faire le milieu tout ce qui s'y voit. Toza au rond point. Tu l'ingues tout le monde à rond point. Tout démarrer déjà. Voilà. Toza au Kenya, Belgique. Tout. 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 Tout